À quelques mois des JO de Paris, Yael Braun-Pivet s'est rendue à l'INSEP vendredi 5 avril, afin d'échanger avec des sportifs et des entraîneurs, et de s'essayer à l'escrime. C'est un événement à côté duquel les plus férus de sport d'entre nous ne voudraient pas passer. Dans quelques mois se tiendront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vendredi 5 avril, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, s'est rendue à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, INSEP, pour échanger avec des sportifs et les entraîneurs des différents pôles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette maman de 5 enfants a donné de sa personne. En tenue d'escrimeuse, elle s'est essayée à cette discipline face à Aymeric Clot, l'entraîneur national de l'équipe de France de fleuret. Dans une vidéo qu'elle a partagée le jour de sa visite sur Instagram, on la voit enfiler l'équipement de circonstance. Le corps, les mains et la tête doivent obligatoirement être protégés, avant de faire une démonstration de ce sport de combat, arme en main. Celle qui a vécu une belle frayeur dans un avion à bord duquel se trouvait aussi Anne Hidalgo a, par ailleurs, échangé avec les entraîneurs des pôles gymnastiques, aquatiques et médicales. Dans la légende qui accompagne cette courte vidéo, l'avocate de formation a rappelé l'importance que revêtait, à ses yeux, ce déplacement. Soutenir nos athlètes pour Paris 2024, c'est être à leur côté, à l'Assemblée nationale comme sur le terrain d'entraînement. Ce jour où Yael Braun-Pivet a demandé un selfie au leader des Rolling Stones. À l'aise dans le milieu du sport, Yael Braun-Pivet l'est aussi lorsqu'elle est amenée à côtoyer des célébrités. Le 20 septembre dernier, elle était présente au dîner d'État donné en l'honneur du roi Charles III, au sein de la Galerie des Glaces du Château de Versailles, à l'occasion de la visite du souverain britannique en France. Parmi la centaine d'invités, notamment composés de chanteurs, de personnalités politiques, de sportifs et d'acteurs, se trouvait Mick Jagger. Ni une ni deux, la politicienne n'a pas hésité à lui demander un selfie, comme elle le confiait dès le lendemain dans C'est à vous, France 5. Je n'ai pas résisté, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit. C'est incroyable que je me retrouve dans la même pièce que lui. Donc j'ai abandonné le maire de Versailles, j'ai abandonné mon mari et j'ai foncé.